TV la caillou encore une fois nous content et pour tes vidéos ça pour vous. Et n'a profité remercier tout ceux là jusqu'à présent et qui toujours été connecté sur canal ça qui toujours attend qu'il ait n'a porté information pour vous. N'a dit merci et pour confiance et la fidélité ou et merci tout pour choix que vous faites de nous et nous féliciter ou parce que vous faites un meilleur choix ou le fait que vous choisissez TV la caillou pour informer ou. Je dis à madame et messieurs dossier kidnapping dans là et bien c'est chaque jour et l'a augmenté et volume kidnapping dans c'est chaque jour et bien l'a augmenté les amis bagayou vraiment et bien prend un autre niveau là et bien les grands avenues là nous voulons parler de Tilapli qui t'a kidnappé un vétéran américain et selon ça nous gagnons comme information et bien et soldat américain t'a préparé là pour venir et attaquer grand ravine pour venir frapper Tilapli parce que nèg yo fait des ordres les faire qu'il a attaqué américain et puis gagne JPP c'est tout Gary Pierre Charles qui lui-même by diverses propositions là pour question eh ben kidnapping nan, comment l'état a dû éliminer ça comment l'état a eh ben prend possession pour comment yo ta mettre un frein dans question kidnapping ça mesdames et messieurs qui mettre l'eau dans les populations chaque jour mon Dieu mettez eh ben nous va inviter au détail rester connecté n'a tourner bon hier me lancer appel à monsieur Tilapli parce que me pas veut des monde qui nan niveau grand ravine à victime par rapport avec un ensemble de bagages qui est sur route pour passer là parce que monsieur gagne un vétéran américain OK et nous avons un vétéran américain qui a fait la guerre au Vietnam pour les Américains. Donc, monsieur lui-même, nous avons demandé pour monsieur la guerre Mounio, parce que monsieur Bala pas belle pour nous. Okay? Roger Michel qui nous avons et Mounio souffrit maladie et tension, sucre. Alors, donc, il y a étudiant tout qui est kidnappé. Étudiant et sans humain. Yeah, oui. Yeah. Ok. Et Paul Guirand. Et Paul Guirand. Wilson, ok, mes amis, dégagez-nous, libérez Mounio parce que Pentagone t'a paré là pour capable voir avion avec soldats américains pour venir attaquer Grand Ravine, ok? Pour venir attaquer Grand Ravine parce que Moun Grand Ravine qui pas dans Zak des autres, qui pas dans des autres, qui pas dans l'orbeille, m'a voulu aux victimes. Moun Tibois qui pas dans des autres, m'a voulu aux victimes. Et pas tout le monde Tibois qui dans l'obéi. Et pas tout le monde Grand Ravine qui dans l'obéi. C'est pas tout le monde en bas la saline qui dans l'obéi. Et pas tout le monde qui habite dans plein nord qui dans l'obéi. Donc ça veut dire que si des soldats américains décident de venir chercher vétérans ça qui dans main Tilapli, qui dans main Grand Ravine, qui dans main Grand Ravine, et mais prêt à aller l'obéi. Il y a tout passé pour essayer de groupe bandit en dans pays. Monsieur, OK, moi renouveler appel là-bas nous matin là. Moun sa yo ki nan men nou, moun sa yo souffri maladie. Étudiant que nous kidnappé a monsieur. Cherchez nous étudiant moi. Étudiant que nous kidnappé a. Étudiant faculté sciences humaines. Mm-hmm. Une faculté de référence qui forme en pile cadre au niveau de la communication en dans pays. Monsieur, monsieur, OK, monsieur. Si nous parle pas la gâter monsieur. De gagne nous là. Si nous parle pas la gâter monsieur, libérez moun yo ki nan kidnappé a. OK. M'apprendre que nous besoin faire 100 millions de dollars arriver pour descendre. Nous devons faire 100 millions de dollars. Mais qui va nous jouer l'argent ça? Qui va nous jouer l'argent ça? Certains policiers qui acceptent de faire job ça là avec nous. Nous connaissons ça. Qui acceptent de marcher dans la machine. Dans la machine qui est correcte, la machine normale. Qu'elle prend mon yo. Ok? Qui porte le banou. Parce qu'en plus, nous va sortir dans la rue. Nous avons une belle machine, mais nous, il y a dit comment ils ont une belle bout de machine, mais nous avons une belle machine. Mais nous ne pouvons pas rouler dans le présent. Alors, nous avons un étudiant avec vous, pour même pas. Ok. Mes amis, on libère Mounio parce que M. Bala n'est pas bon pour nous. Bala n'est pas bon pour nous. Ok. Donc, je t'ai appelé pour me dire ça parce que la situation n'est pas bon pour nous. Mais... parce que le pays n'a pas qu'à vivre dans ça. 24 heures après, 48 heures après, la page est tournée. Les églises, ils vont faire marche demain, manifestation, et puis ils comprennent, ils vont tourner encore dans la rue de la Réunion, les bandits vont tourner même côté encore. Il faut une réaction globale de tous les citoyens. Vajo, tu as parlé de 3000, 4000 personnes, nous n'avons pas avoir un foutu de paille. Nous avons besoin au minimum de 1 million de gens. 1 million de gens. Maintenant, les fédéralisés kidnappés. 1 million de monde dehors après les hommes.
Donc, maintenant que je vais proposer, comme citoyen haïtien, des éléments de solution. Parce que plus faut être dans le pays, ça, c'est parler au parler, il n'y a pas de solution. Je nous ai dit ça pour faire, m'a proposé. Comment on voulait pour l'école continuer à fonctionner? Pendant le kidnapping, non? L'école a fonctionné. A toujours gagné kidnapping. A toujours gagné. Comment on voulait? L'église a chargé le monde toujours. A toujours gagné kidnapping. Comment on voulait? Toute maquette continue à ouvrir. A toujours gagné kidnapping. Comment on voulait? Toute banque ouverte pour nous assassiner. Ça c'est quoi? A toujours gagné kidnapping. A toujours gagné assassiné. Dans ce point comme là, bon? Il y a toujours gagné kidnapping. Je propose. Que les gens cherchent à ravitailler eux. Dans le fameux pays là pendant une semaine. Rien ne va pas fonctionner pendant une semaine. Et puis qu'on a la police nationale. Avec des séparateurs. Ah non, regardez, moi même pas comprendre. Comme si il y a un gros temps dans le pays là. Ancien ministre qui t'a parlé là, nous songez, vous te mettez séparateur, monsieur. Pas de kidnapping, là, vous te mettez séparateur. Bon, Dieu, on est dit, retirez séparateur. Vous songez, Macron? Hein? Vous retirez séparateur, Macron? Mais mon Dieu, là, où pour mon Dieu, le Camon. C'est le village de Dieu à la veille. C'est comment votre côté à elle encore? Grand avenir à la veille. Mais c'est la machine à l'aile, mes amis. Faut mettre séparateur pour nous bloquer. Et dans chaque espace que nous quittons ouvert, il y a une unité lourdement armée pour machine passer. Aussi simple que ça. Quand même le minimum n'est pas fait pour bloquer les kidnappeurs. Nous vivons dans une société sans autorité. Ça c'est une. Mais pas un monde qui a pensé tout nous. Donc nous pas des citoyennes, pas des citoyennes dans la société. Il n'est pas normal pour ça faire. Bon, même dis-nous. Bon, pourquoi la presse continue à fonctionner? N'abtenu pas un gros journaliste. Et puis, laisse ça, ça va passer. Tout le monde a continué à faire des nouvelles, même là. Il a continué à faire toute émission. Donc, il faut qu'il y ait une mobilisation totale de l'ensemble des citoyens, des forces politiques et de tous les secteurs. Chaque matin, on descend. Et M. Donnel qui dit, écoutez. Oh, Gary, écoutez, il n'est pas normal, vous ne pouvez pas faire une émission sur ça, vous faites quoi? 5 camions chargés de gaz. Ok. Ne cap 20 gaz. Fermez toute gazette. Toute machine est entrée. Pas de gaz. On coule si pas de gaz, pas de machine. Chauffeur pas pour la rue. On coule si fermez l'école. Professeur pour la rue. Parent si mouna pour la rue. Chauffeur mes banques, mouna dit. Faut en dégager nous parce qu'il faut à la banque. Mais il faut qu'il y ait un mouvement concerté, un mouvement global, total de l'ensemble des citoyens. Et depuis une ferme, tout Gary, j'ai le monde à priver sur nous. Qui Jean? Nous n'avons même pas besoin de société. Il y a privé sur nous après. Nous disons nous bouquet quand même. On a fait référence avec le mouvement Petro Challenger. Mais. Bah quoi qu'il est nécessaire pour nous en politique, on ne pas lire. C'est dans l'essence du mouvement que Macron évoquait. Oui, oui, ça veut dire quel bon bagage qui unit tout le monde. Et après, on prend. On prend la corbe, on prend la monde qui a l'argent, il y a des grands goûts, bagages. Il y a plus de monde qui récupère, mais il n'y a pas récupéré, il y a tout divisé. Mais c'est dans l'essence même, dans l'initiative, un mouvement de solidarité nationale entre nous. Il faut une grande marche. Continue une mobilisation totale pendant une semaine, l'école fermée, cloche de l'église, absonnée, l'ambiance a soufflé. Il faut dire non. Cessez cette affaire d'Ariel pour un moment. Cessez cette affaire de Jean-Michel pour un moment. Les journalistes, le PHTK, Jude Céleste, Moïse, on doit cesser parce qu'il y a, il ne peut pas y avoir 16 ans sans qu'il n'y ait pas une société stable, une société unie. On ne peut pas continuer à évoluer comme si, comme je disais, de rien n'était. Tout se passe bien dans cette société. Hier soir, on a enlevé quelqu'un auprès du market qui se trouve en face, hier soir, très tard. Et puis,
Et tout le monde dit, oh, il est passé, on dit, et là, il prend, oui. Comme si c'est là, il prend. Demain, il n'y a pas pour là tout. Donc, je préconise un mouvement général. Bon, écoutez, je demande aux membres des différentes commissions, du PEN, les sénateurs, qui se disent les élus, ou bien qui sont les élus. Au moins. Ils sont les élus. Oui, ils savent qu'ils sont les élus. Au moins, un zoom bagaille pour la société. Un camp de pays. Pour dire non à kidnapping, non. Non, il a fallu Marco Val, campagne Gary Pépochal pour dire ça. Je demande à Pépé Dumont de clencher le pas. À Joël Lambert. Parce que c'est aucun élu. Nous perdons notre temps à parler de conseil électoral provisoire et puis nous disons que nous ça yo. Il n'y a pas de mandat. Nous, les Jovenel, nous, tout le monde, où les élections vont être organisées pour Michel Martelly, on, Kob, etc. Mais qui paye où vivre là? Il n'y a plus n'importe qui candidat dans la campagne. Et je sais s'il n'y a pas une stratégie bien élaborée pour prendre un candidat en otage, pour prendre un kidnapper. Donc, mais qui paye où vivre là? Il faut une mobilisation totale. Comment vous voulez, ou nos pays, bon route ou pas qu'à passer la donne nos. Et puis il y a des gens, captons, que nous sommes carrefour pour venir travailler dans le Port-au-Prince pour venir nous faire pas chaud. Et puis là, on prend mon nez, on dit, ah, ils ont pris ni. Ils ont pris, c'est pas normal. Faut en camper sur la vie. Camper l'administration publique. Camper l'école. Que tout PO fait 9 ans, mobiliser, fermer l'église, cloche à son de nos pays. Que la presse a fait des émissions spéciales, musique de circonstance, que tout le monde se mobilise autour de seul et une, d'une seule et unique revendication. Ah bah le kidnapping. Ah bah le kidnappeur. Sans ça, nous ne pouvons pas gagner. J'assiste presque désormais à des gens qui m'appellent tout le temps, ou bien qui ont aucun côté, qui disent, allez malheur, oui. Non, quittez ça, oui. Comment voulez-vous m'accepter que des gens qui ont bataillé tout le temps, des jeunes, ils disent, ça allez, vous allez, oui. Allez, qui bon. Ils vont passer misère à l'étranger parce qu'ils ont peur de mourir. Mais il faut accepter d'affronter la mort pour que l'autre qui a venu, l'autre qui a pas vivre. Nous sommes société de lâches. Que sont les leaders, que le secteur privé, que sont les journalistes, quel que soit mon garçon ou femme, nous sommes lâches. Nous acceptons de mourir là devant nous. Et puis nous ne pouvons pas faire rien. Et puis toute référence, nous, le gouvernement ne va pas faire rien, l'État ne va pas faire rien, l'État en faillite. Là, l'État en faillite, le gouvernement ne va pas faire rien. Il appartient aux citoyens de prendre ses responsabilités. J'invite les citoyens haïtiens pour prendre responsabilité aujourd'hui à nos vastes mouvements. M'attend les entrer là, ou bien vous prendre Marco, ou bien prendre Val, ou bien passer en Caraïbe, ou bien prendre Bobsé, ou bien prendre Guerrier, c'est ça, Captain, ou bien prendre le Connésir, ou bien prendre Duval. Ou bien prendre ça, Captain, pour faire. Et puis pour nous carrer en mouet, et puis nous tourner en page. Non! Dès aujourd'hui! Il faut qu'on groupe monde qui réfléchit, qui dit, faut camper, pays ça. Camper là parce que le pape marchait. Camper là parce que le pape marchait. Comment voulez-vous, ou machine? Chaque jour, machine.